Bismillah, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite et bonne santé, que vous affrontez l'automne, que le Covid ne vous a pas trop dégoûté de la vie. Donc j'espère que vous êtes en parfaite et bonne santé, que ceux qui sont malades, que Dieu les guérisse, Inch'Allah. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je voulais faire une recette de pancake pour les débutants. J'ai fait les quantités avec les verres, même les petites jeunes filles peuvent le faire. Donc voilà. Donc bien sûr, pour les nouveaux visiteurs, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos, de liker la vidéo et de la regarder ju jusqu'à la fin. Et bien sûr, de me laisser vos commentaires. Est-ce que vous pensez de la recette? Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, les quantités, je les ai faites uniquement avec les verres. Donc c'est très simple. Il y a 3 verres de farine, 2 verres de lait, un sachet de levure chimique, 2 sachets de sucre vanille, 3 œufs, une demi-cuillère à café de sel, 3 cuillères à café de miel. Et j'ai mis quand même aussi du sucre parce qu'au départ j'avais mis que le miel à la place du sucre, mais je trouvais que c'était pas sucré. C'est pour ça que par la suite après j'ai rajouté du sucre. Donc mettez 3 cuillères 2 cuillères à soupe de sucre semoule, ça suffira, hein. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Et bien sûr, là, vous voyez, je rajoute le miel. Et quand je rajoute le miel, ça donne, vous voyez, une belle couleur. Donc ça change complètement de couleur, quoi. Voilà. Donc, et c'est ça que je vous ai dit, hein, je rajoutais une cuillère à soupe de sucre. Sachant que j'en ai mis une déjà auparavant, donc ça fait ce qui fait que ça fait deux. Après, si vous avez pas de problème avec le sucre, vous pouvez en mettre 3, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc, bien sûr, le temps de repos, c'est 20 à 30 minutes. Hein, donc, voilà. Et une fois que c'est fait, ben, on peut attaquer la cuisson. Donc, alors, dans une poêle, hein, qui ne colle pas, bien sûr. Là, parce que là, pour que ça fasse vraiment des vrais pancakes, on va pas mettre de beurre ni quoi que ce soit. Donc, on va les cuire dans une poêle qui ne colle pas. Donc, voilà. Et puis après, bah, vous laissez 1 minute de chaque côté environ. Bien sûr, avec le feu doux. Doux, un petit peu plus que doux. Mais de toute façon, vous allez essayer de voir dès que vous allez cuire la première et vous allez voir, vous allez trouver tout de suite la bonne température, donc le bon feu, en fait, le bon dosage de feu ou de température. Donc voilà. Et puis après, ben, vous continuez jusqu'à ce que vous ayez cuit toutes les pancakes. Sachant que pour cette quantité-là, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup. Donc maintenant, si vous voulez pas faire autant, vous faites seulement la moitié des verres. Voilà, des petits verres, mais il faut utiliser les mêmes verres, les mêmes verres, hein, pour la farine et pour le lait. Voilà. Et après, en fonction de la quantité que vous allez choisir. Faudra diminuer, on va dire, vous allez mettre, par exemple, si vous mettez la moitié d'un verre, voilà, faudra mettre, par exemple, 2 œufs ou un, vous voyez? Donc, il faudra jouer sur ces... Voilà, il faut que, en fait, après, je pense pas que ça va changer quelque chose, mais il faut quand même, voilà. Donc voilà. Et puis encore une chose, quand vous les cuisez, hein, conjugue le verbe cuire, faut pas les mettre les unes sur les autres. Je vous conseille de les mettre à refroidir sur un torchon propre. Et bien sûr, vous allez utiliser un torchon propre, hein, forcément pas le contraire. Et après, dès qu'il a refroidi, vous le mettez ensemble. Et donc ça donne ce résultat-là. Donc franchement, ce sont des pancakes
inratables, qui sont moelleux, éponges et légers et doux. Quand vous les touchez, ils sont doux. Donc voilà. Et voilà, bah, c'est tout. Donc bah, j'espère que cette recette vous ravira et puis qu'elle vous rendra service, hein, comme toutes les autres recettes que vous avez faites. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Chiwadzimladi. Partagez et likez. À très bientôt. Salam alaikum.